Le profil d'Archie avait disparu du site officiel des membres de la monarchie. Archie est le fils aîné du prince Harry et de Meghan Markle. Archie est le sixième prétendant au trône dans l'ordre de succession. La disparition durant quelques heures de l'affiche de présentation d'Archie, fils du prince Harry et de Meghan Markle, du site officiel des membres de la monarchie restera un grand mystère. En effet, samedi 25 mars 2023, durant un long moment, l'affiche du petit garçon n'était tout simplement plus accessible avait de finalement réapparaître quelques heures plus tard. Seulement, là encore les parents du petit garçon âgé de près de 4 ans ne doivent pas être satisfaits. Pour cause, une erreur persiste sur la page qui a été mise à jour alors qu'il a obtenu un nouveau titre. Sur son profil on peut lire, le prince Archie de Sussex est né à 5h26 le lundi 6 mai juste à côté d'une photo du petit garçon dans les bras de ses parents prise au château de Windsor seulement quelques jours après sa naissance. Dans la suite de sa description, il est indiqué qu'il est le premier enfant du duc et de la duchesse de Sussex. Si toutes ces informations sont exactes, si est-ce ce qui suit qui est erroné? Il est inscrit qu'Archie est le septième dans l'ordre de succession sur le trône. Si c'était effectivement le cas lorsqu'il a poussé son premier cri, aujourd'hui, avec la mort de la reine Elisabeth II et la montée sur le trône de Charles III, Archie est devenu le sixième prétendant au trône. Si sur la page consacrée à la succession que l'on peut retrouver sur le site, il est bien indiqué qu'il est le sixième, sur son profil, ce n'est toujours pas mis à jour. Le profil d'Archie ne serait pas le seul erroné seulement, il semblerait que ce ne soit pas un affront envers Meghan Markle et le prince Harry, puisque leur fils ne serait pas le seul à avoir son profil erroné. Pour le prince George, il est par exemple indiqué qu'il est le troisième sur le trône alors qu'il est maintenant passé deuxième. Même chose pour la princesse Charlotte et le prince Louis. À propos de l'auteur Marine T. rédactrice pour Closer depuis 2018.